Allez, oui, quel film génial! Oh non, le pop-corn est terminé. Nick, tu veux bien partager le tien avec moi? Non, merci. Donne-le-moi, je te dis. Non! Regardez ce que vous avez fait! Bienvenue dans le nouveau défi. Waouh! Il y a assez de place pour Roxy aussi. C'est encore mieux. Oh là là! Des boîtes entières de frites? Je dois rêver! April, commençons par toi. Avec plaisir, j'adore les frites. Mais ce sera encore meilleur avec de la sauce. Plus il y en a, mieux c'est. Tu penses que c'est une bonne idée? Bien sûr! C'est délicieux! April, tu es si sale! Au moins, j'ai pu déguster mes frites préférées. Oh, j'aimerais qu'il y en ait plus. Eh bien, c'est mon tour maintenant. Moi aussi, j'aime beaucoup les frites. C'est dommage que je n'en ai que 10 paquets. Roxy a vraiment beaucoup de chance, elle. J'ai une idée. Hé, Roxy! Oh mon Dieu! Nick, ne me fais pas sursauter comme ça! C'est ce que je voulais. Allez, mange vite. C'est ennuyeux de manger comme ça. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'apprendras bientôt. Quand je serai grande, j'aimerais être constructrice. Maman pense que j'ai un peu de talent. Regarde la grande tour que je peux construire avec des frites. Une constructrice? Testons-la jusqu'à la destruction. Attention, avis de tempête! Avec une chance de ketchup! Nick, t'as encore tout gâché! Ce sont des bonbons acidulés toxic waste! On dirait que je vais avoir des ennuis. J'ai de la chance d'en avoir qu'un seul. C'est tellement acide! Qu'est-ce qui va m'arriver? Roxy, c'est ton tour maintenant. Il faut que je me débarrasse de ce goût acide, ne serait-ce qu'un peu. J'ai une idée. Je vais mettre toutes les sucreries sur la planche. Et maintenant, que vous soyez prêts ou non, j'arrive. Et la poudre de bonbons est en train de voler jusqu'à nous. Fais attention! Ça y est, maintenant j'ai de la poudre acidulée à la place des bonbons. Je vais prendre ma fraise préférée et la tremper dedans. Ça doit être délicieux. Oh oh, c'est quand même extrêmement acide. Arrête de rire, Nick. À toi. Oh non! Ouh, pas le choix, je dois manger. J'ai réussi avec le bouchon. Ok, faisons-le rapidement. Il va être malade. Catastrophe! C'est tellement acide! Regarde! La salive de Nick ronge la table. On doit l'aider. Mange du sucre, Nick. Tu te sentiras mieux. C'est fini. J'ai toujours su que le sucré était le meilleur remède. April a de la chance! Elle a tellement de hot dogs! Quoi qu'il en soit, un seul, c'est bien aussi. Hé! Hey, où est la saucisse? Est-ce que je l'ai mangée par accident? Oh non! Pauvre Nick, tu n'as pas de chance. Pas comme moi. Ils sont délicieux. Tu manges si délicieusement. Et mon petit pain n'est pas du tout savoureux. Oh, j'ai une idée. Une idée géniale. Tiens, voilà. Super. Pendant que Roxy mâche et ne se doute de rien, je vais ajouter quelques gouttes d'une sauce piquante dans ses hot dogs. Ils sont trop cool. Et celui-là est... étrange. Pourquoi il fait si chaud, là?
catastrophe! Oh, mais qu'est-ce que c'était? Oh non, mes hot dogs se sont transformés en braise! Regarde-toi, je suis drôle! Enfin, c'est mon tour! Cette bande de hot dogs va disparaître pour de bon! Tu ferais mieux de boire un verre d'eau après ça! April, regarde ton ventre maintenant! Oh non, ma forme parfaite! Non, c'est pas bon du tout! Les gars, je reviens tout de suite! Un peu d'exercice et je serai en forme! Disparais, toi, méchant ventre! Ah. Ouh, je suis si fatiguée! Oh. April, t'as l'air en pleine forme! Ouba booba bubblegum! Et encore un seul pour moi! Waouh! Nick, ouvre vite le tien! Ça sent si bon! Oh, j'ai failli oublier! Je suis le mangeur de chewing-gum le plus rapide! April, prends le temps! Allez, tu peux le faire! C'est bon! Tu as battu ton propre record! Félicitations! C'est à mon tour maintenant! Attends une seconde! Je sais comment jouer un tour à Nick! Ça va être amusant! Bouh! Oh, April, c'est toi! Je pensais que... Oui, c'est moi! Roxy, c'est ton tour maintenant! Enfin! J'ai hâte de commencer! C'est ce que j'appelle la vitesse! C'est délicieux! Roxy, tu vas exploser! Rien de tout cela! Regarde quelle énorme bulle! Wow! Roxy, où est-ce que tu t'envoles? On dirait qu'elle est coincée! Aidons-la! Donne-moi ton chewing-gum! Uh-oh! Il est important d'atteindre la cible! Ah! J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur! Oh non! Du brocoli! Oh, horrible! Je le déteste tellement, c'est le pire aliment au monde! Oh non, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais essayée! Roxy, à toi maintenant! En effet, c'est affreux! Peut-être que ce sera meilleur une fois cuit? Les aliments cuits sont toujours plus savoureux que les aliments crus! Surtout s'ils sont frits! On dirait que c'est prêt. Eh bien, ça sent toujours aussi mauvais. Et ça a toujours un goût affreux. À quoi t'attendais-tu? Ah, c'est mon tour maintenant. Allez, Nick, tu peux le faire. C'est tellement dégoûtant. Oh! Non, je peux pas manger tout ça. Je vais essayer de faire un cocktail de brocoli. J'ai déjà vu ça dans une émission. J'ai oublié quelque chose. Ok, je me disais que j'allais m'entraîner. Je suis presque prêt. Oh, ça sent le dégoût. Oh, c'est encore pire maintenant. Et si j'ajoutais quelques épices? Ça pourrait aider. Bois-le rapidement. Je vais le boire d'un coup et c'est tout. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Au moins, je n'ai pas eu à boire ce truc horrible. Je serai la première. J'aime bien le maïs, mais avec du chocolat... En effet, tu n'as pas de chance. Qu'est-ce que j'ai? Oh non, c'est un piment! C'est un vrai désastre. J'espère que ce sera pas trop mauvais. Eh bien, c'est tout à fait mangeable. Mais ça aurait pu être meilleur. Lola, à toi de jouer maintenant. Ok, on dirait qu'il n'y a pas d'autre choix. Peut-être que je vais juste lécher le chocolat qui s'y trouve. Tu rêves, prends une bouchée. T'es pas sympa, Annie.
C'est pas si mal. Quoique... Ah, ah, ma bouche me pique méchamment. Oh là là. Elle a des problèmes. J'ai une idée. Si je fais chauffer le maïs, j'obtiendrai du pop-corn. Lola, tu m'aides? Lola a aussi besoin d'être sauvée. Et je sais comment faire. Le chocolat liquide peut l'aider. Ça y est, Annie, je me sens beaucoup mieux. Oh non, je suis toute couverte de chocolat. Y a pas de quoi. Comment est mon pop-corn? Waouh, je n'ai plus besoin d'un épi de maïs nu, mais tout le reste est à moi. Le chocolat se marie bien avec le pop-corn. Mmm, délicieux. Ouvrons-le ensemble. Une pomme? Cool! Et j'ai... J'ai du pop-it! Mais c'est immangeable! Perdante! J'ai de la chance! J'aime tellement les pommes! Ce sera encore meilleur avec du chocolat! Que dois-je ajouter? Je sais! Les Skittles seront parfaits! Je vais tremper la pomme dedans! Ça a l'air tellement délicieux. Incroyablement savoureux. Waouh, t'as tellement de chance. C'était magnifique. Annie, à toi maintenant. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ok, souhaite-moi bonne chance. Annie mange du caoutchouc. Tais-toi, Lola. Oh, il me semble que j'ai une idée. Je peux verser le chocolat dans le pop-it comme dans la forme. J'aurai aussi besoin de tes bonbons. Le dernier. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de le refroidir. Je prendrai un bol avec de la glace. N'est-ce pas une bonne idée? Quelques secondes. Et c'est prêt. Je peux essayer. C'est tellement beau. Et c'est vraiment délicieux. Je peux essayer aussi? Quoi? Ah, bien sûr. Oh, il est accidentellement tombé. Jetons un coup d'œil. De la guimauve? Trop cool! Et toi, Lola, qu'est-ce que tu as? Des frites. Bon appétit! Et je vais me régaler avec mes merveilleuses guimauves. Je vais les mettre sur des brochettes. Ce sera beaucoup plus facile de les tremper dans le chocolat. Ça a l'air cool. C'est délicieux. T'as de la chance. J'arrive pas à imaginer comment manger des frites salées avec du chocolat sucré. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. J'en veux encore. On n'a jamais assez de chocolat. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle combinaison puisse être aussi savoureuse. Mais j'ai envie d'autre chose. Les guimauves d'Annie ont l'air si délicieuses. Exactement. J'ai une idée. Un peu de tabasco. Mon habileté manuelle. Et je peux rouler des guimauves de pommes de terre à partir de cette masse. Pendant qu'Annie est occupée à manger, je change une brochette pour une autre et elle ne remarquera même pas. Ça a marché. C'est délicieux. Oh, cette brochette est terminée. Pas de problème, il m'en reste encore une. Quelque chose ne va pas... Lola, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah! Wow! Jouons à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui ouvrira en premier. Yay, j'ai gagné! Qu'est-ce que je vais recevoir? Waouh, des Oreos! J'aime tellement ça! Ouf,
c'est du bleu. Oh, dégoûtant. Lola, mange d'abord. Avec plaisir. Ces biscuits sont déjà délicieux, mais alors avec du chocolat, ils seront encore meilleurs. Cool. J'ai failli oublier la garniture. J'ai une idée. Et si je faisais un très grand biscuit avec tous ces biscuits? Je vais juste séparer les milieux et les mettre l'un sur l'autre. Le génie, c'est la simplicité. Lola, c'est cool. Tu peux me donner les biscuits dont tu n'as pas besoin? Je vais couvrir le fromage avec. Au moins, ce sera plus joli. Mais j'ai une meilleure idée. J'ai besoin d'un cercle. Exactement. C'est ce dont j'ai besoin. Lola ne fera jamais la différence entre un vrai Oreo et un faux. Yes! Hé, Lola, regarde ce qu'il y a là-bas. Elle est tombée dans le panneau. Ça a marché. C'est tellement délicieux. C'est étrange, y a rien. Waouh, Annie, t'as mangé ton fromage si vite. Il est grand temps que je mange mon Oreo. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dégoûtant! T'es tellement drôle! Aouh! Je vais t'apprendre à rire de moi. Waouh! J'ai des crêpes! Comment puis-je être aussi malchanceuse? J'ai des citrons! En tout cas, je vais être la première. Ces crêpes sentent si bon! Ma grand-mère fait les mêmes! C'est délicieux! Bien sûr, elles ne sont pas comparables à celles de ma grand-mère, mais elles sont tout de même savoureuses! En effet, j'ai pas de chance aujourd'hui. Je vais devoir manger du citron avec du chocolat! C'est tellement acide! Oh, j'ai une idée! Je vais jouer un tour à Lola, ça va être amusant! En attendant qu'elle s'en aperçoive, je vais cacher mes citrons dans la fontaine. Prêt! Waouh! La fontaine est devenue jaune! J'espère qu'elle ne remarquera pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec notre fontaine? Elle est jaune! Pourtant, je la préfère de cette couleur, moi. Pourquoi le chocolat est si acide? Annie, prends cette paille. Maintenant, tu bois. C'est injuste, j'avais même pas fait exprès. Catastrophe, mon visage se recroqueville sur une paille à cause de cette aigreur. Le dernier tour, enfin. Attends, comptons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Des donuts. Oh non, c'est du poisson. Il est cru. Catastrophe. C'est pas toujours. Waouh, c'est tellement délicieux! Je vais ajouter du chocolat et ce sera de la bombe! Je vais en verser dans toute l'assiette. Lola, c'est pas un peu trop? Non, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai tellement faim! Oh, oh, je suis tellement rassasiée! Ok, il m'en reste plus qu'un. Je veux le manger d'une façon spéciale. Je vais le jeter et l'attraper avec ma bouche. Lola, il est tombé sur mes cheveux. Et j'ai raté. Quel est le problème? Mange vite ou ton poisson s'en ira à la nage. J'espère que ça sera mieux qu'il n'y paraît. De poisson, on va y rester coincé dans ma gorge. Pourquoi tu me jettes des choses à la figure? Oh non, comment je peux enlever ça maintenant? Waouh, c'est joli en fait. Quel petit piment! Je suis un peu moins chanceuse. Un énorme piment? Vous plaisantez! Les dames d'abord. Chloé, commence. J'espère que ce sera pas trop épicé. Chloé, attends! Ça va, en fait.
Mais ça brûle un peu. Ouh, ça va mieux maintenant. Lola, à toi. Oh, cette odeur me donne envie de pleurer. J'ai une idée. Peut-être que ce ne sera pas si épicé si j'en fais un cocktail. J'appuie sur ce bouton et mon piment se transforme en boisson. Quelque chose me dit que le goût n'a pas changé du tout. Lola, peut-être que cette ombrelle peut te remonter le moral. Qu'est-ce que c'est que cette chose stupide? Quelqu'un va se sentir malade, là. Qu'est-ce qui se passe? Mes yeux sont devenus des lasers. Lola, tu vas tout mettre en feu ici. Tiens, voilà. Merci. Heureusement, seule l'ombrelle a été endommagée. On dirait que c'est mon tour maintenant. Je devrais le manger très vite pour ne pas sentir le piquant. Waouh! Burk, comment se fait-il que tu ailles encore bien? C'est bon! J'ai réussi! Et je brûle! Oh mon Dieu! On doit sauver Nick! C'est tellement rafraîchissant. Nick, ça va? Quelle jolie petite bouteille! La mienne est plus grande! Wow. Wow. Cool, j'ai vraiment de la chance. J'adore le Sprite. Même si ma bouteille est petite, la boisson est savoureuse. Oh, mais c'est de la gelée! C'est très amusant. Qu'est-ce que... Mais j'y arrive pas! Oh. Ah ben, c'est pas grave. T'es vraiment une loseuse. Tu peux regarder et être jalouse. De la gelée sort de la bouteille. C'est trop drôle. C'est vraiment délicieux. Nick, tu peux faire plus attention. Oups, désolé. Très bien, c'est mon tour. Allez. Allez. J'arrive pas du tout à l'extraire. J'ai une idée. Je suis né maître du karaté. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts? Hiya! Lola, on est tout seul maintenant. Allez, c'est parti. La gelée est bonne. Un mini chocolat? C'est dommage. Moi, j'en ai un normal. Regardez mon grand chocolat. C'est trop cool. Ok, je commence. Le chocolat est bon, mais il est minuscule. Lola, tu peux partager le tien? Tu rêves. Je sais comment on peut rendre une barre de chocolat sans fin. Coupe là, puis ici, puis coupe un morceau et déplace tous les détails. Oh là là, le chocolat a l'air d'être neuf, mais j'en ai un morceau dans la main. C'est très bon. Je vais le refaire encore quelques fois. J'ai eu une idée géniale. Si tu as du chocolat à volonté, je peux en prendre un morceau. C'est ma tablette. Chloé, c'est ton tour. Enfin, j'ai hâte d'essayer. Mais je vais le faire d'une manière spéciale. Je vais mettre tout le chocolat dans une casserole. Et le faire chauffer. La sécurité passe avant tout. Surtout quand tu tiens un chalumeau. C'est fait. Cette odeur. C'est le moment de goûter. J'espère que ce sera délicieux. Oh, magnifique. Ah, j'ai une idée. Bon appétit, Chloé. Tu as vu sa tête? C'est hilarant. Oh, vraiment? Voilà pour toi, Nick! Encore une fois, j'ai pas de chance! Eh bien, je l'aime bien! Waouh, une grande glace! Oh, c'est froid! C'est pas juste! D'accord, une petite glace, c'est mieux que rien! Oh, il y en a déjà plus!
Lola, mange la tienne. Avec grand plaisir. C'est délicieux. Laissez-moi faire une glace sur un bâton. Comme ça, c'est encore plus savoureux et plus confortable. Ça a l'air génial. C'est tout, j'ai fini. Ça veut dire que c'est à moi maintenant. Oh, oh non, c'est trop gelé. Laisse-moi essayer, Chloé. J'ai une idée. As-tu déjà vu une bombe de glace? Jette un coup d'œil. Nous allons maintenant allumer la mèche et la magie va opérer sous tes yeux. Oh oh, quelque chose a mal tourné. Oh, Nick, tu as tout gâché comme d'habitude. Oh, j'ai un petit morceau de pizza. J'en ai une normale. Et j'en ai une énorme. J'ai jamais vu de pizza aussi énorme. Lola, tu commences. Je sais. Je ne serai pas rassasiée avec ce morceau, mais ce sera parfait pour ma poupée. Je vais lui donner un petit encas. C'est délicieux. Chérie, serre-toi. Lola, tu joues encore à la poupée? Ma poupée, mais Nick, t'es sans espoir. La pizza a l'air délicieuse. C'est délicieux. C'est du pepperoni, mon préféré. C'est vraiment dommage que ce soit déjà fini. C'est parti. C'est tellement lourd. Ça va être super. La pizza est tellement grosse que c'est pas très confortable de la manger. Je vais la rouler, ce sera plus facile et plus rapide. Allez, Nick, tu vas y arriver. C'est tellement difficile. Le dernier morceau. Yay, bravo. Oups. Quels aliments préfères-tu? Les grands ou les petits? N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à Oh là là pour ne pas manquer de nouvelles vidéos amusantes.